d'être là. Je remercie chacun d'entre vous de s'être déplacé pour être venu m'écouter, et puis je remercie évidemment mes hôtes qui me permettent de vous délivrer cette conférence que j'ai appelée par un titre qui paraîtra peut-être curieux à beaucoup, « Déracinement et surmoi, chaîne de l'esclavage contemporain ». Parce que ma problématique, la problématique de tous mes écrits, enfin de beaucoup d'entre eux, c'est de démontrer que malgré le fait que nous soyons dans des institutions réputées, je dis bien, démocratiques, eh bien je veux démontrer que l'individu n'est pas aussi libre qu'il croit l'être. Alors, ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu la Bible, savent que Jésus, après avoir été baptisé par Saint Jean-Baptiste, après avoir reçu l'Esprit-Saint sous forme de colombe, s'est rendu dans le désert pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il va être... déjà, il va jeûner, et il va être tenté par le diable. Alors, bon, le diable va le tenter en vain, et bon, il est quand même un peu déçu, il ne veut pas rentrer en bredouille, alors il va jouer son batou. Il va jouer son batou avec trois dernières grandes tentations. Et la première est la suivante. Le diable dit à Jésus, écoute, ça fait 40 jours que tu es là, tu as faim, donc, si tu es le Fils de Dieu, transforme le rocher qu'il y a là et transforme-le en pain. Ce à quoi Jésus répond par une très belle phrase du Deutéronome, l'homme ne vit pas que de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors, on l'a compris par cette phrase, Jésus signifie au diable que certes, l'individu doit cultiver les aspects matériels et temporels de son existence, mais que aussi, il doit faire attention, il doit cultiver les versants spirituels de son existence. Eh bien, cette condition, la condition de l'homme qui ne vit que de pain, cette condition qui est proche de ce que Hannah Arendt appelle l'homme masse, cette condition qui est proche de la mort cérébrale en réalité, eh bien cette condition, selon moi, est la condition du citoyen occidental contemporain. Et selon moi aussi, ceci n'est pas l'effet d'un hasard anthropologique historique, mais c'est le fruit de ce que j'appelle, d'un système d'aliénation que j'appelle le totalitarisme de marché. Le totalitarisme de marché étant un système d'aliénation qui s'attaque en priorité aux esprits. Il est un peu plus fin, si vous voulez, que le totalitarisme d'État, qui était un peu plus gras et qui, lui, s'attaquait en priorité au corps. Le totalitarisme de marché, je dirais que c'est une sorte de totalitarisme officieux, alors que le totalitarisme d'État, lui, était plus officiel, dirais-je. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire un très bon incendie, il faut trois choses. Il faut un terrain sec, il faut des matières inflammables et il faut des pyromanes. Le terrain sec, c'est notre société, capitaliste, matérialiste, consumériste, qui n'exige des individus que des impératifs moraux de production. Les pyromanes, ce sont nos classes dirigeantes, et la matière inflammable, c'est justement ce totalitarisme de marché dont je vais vous parler. Et au terme de ce processus qu'est le totalitarisme de marché, l'individu est aliéné, c'est-à-dire qu'il ne s'appartient plus. Donc, dans un premier temps, je vous démontrerai comment l'individu se fait aliéner par le déracinement tel que la philosophe Simone Weil, à ne pas confondre avec l'autre évidemment, la funeste, à ne pas confondre donc avec la femme politique. Je parle du déracinement donc de Simone Weil, et dans un second temps, je vous démontrerai comment l'individu contemporain est maintenu dans cette aliénation par la pression qui est exercée sur son surmoi. Bon. Donc dans un premier temps, je vais vous démontrer comment l'individu se fait aliéner. Alors, cette assertion, déjà, ne va pas de soi. Elle est absolument inaudible pour une personne qui a une vision du monde telle qu'elle est délivrée par les grands médias ou par les grandes institutions de l'éducation nationale, type, je ne sais pas, université, grandes écoles, etc. Si j'avais en face de moi une journaliste de l'ITL ou un étudiant de HEC, et que je lui dis « aujourd'hui en France, en 2012, l'homme est aliéné », très certainement, il m'opposerait des sarcasmes, sourires moqueurs, haussements d'épaule, etc. Alors, de fait, il faut reconnaître que depuis 1789, s'est mis en place un nouveau système légal qui a fait table rase de tout ancien droit, et ce système légal était basé, il est toujours d'ailleurs, sur l'égalité en droit, ce qu'on appelle l'égalité formelle, sur l'abolition des privilèges, l'abolition des ordres, etc. Et progressivement, lentement, de décennie en décennie, s'est mis en place notre état de droit moderne. Et cet état de droit moderne fait bénéficier le citoyen d'un très grand nombre de libertés publiques. Et d'ailleurs, c'est fort de cette situation que notre classe politique, dans les années 80 de,
du XIXe siècle, hein, sous la Troisième République, a commencé à qualifier notre régime de démocratie. Démocratie, ce que notre régime n'était pas. Car comme l'explique le philosophe Alain, la démocratie réelle, j'insiste sur l'adjectif, la démocratie réelle, c'est le pouvoir qu'ont les gouvernés de contrôler les gouvernants. Alors que nous, dans notre système, notre pouvoir, c'est le pouvoir des gouvernés seulement de désigner les gouvernants. Ça, c'est la démocratie formelle. Or, on le sait bien, on connaît nos institutions, on sait qu'une fois qu'un maire, un député, un sénateur, un président est élu, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun contre-pouvoir légal qui permet au peuple de court-circuiter son action. Pourquoi ? Parce que les mandats impératifs sont prohibés en droit français. C'est dans la Constitution de la Ve République, on interdit les mandats impératifs. Probablement, c'est depuis la Révolution, probablement parce que ça rappelait la forme des États généraux, parce qu'elle est à l'époque, sous l'Ancien Régime, lors des États généraux, les représentants avaient un véritable mandat impératif, c'est-à-dire que le peuple leur confiait une mission, et ils étaient là pour la réaliser, et rien d'autre. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les députés n'ont pas de mission, ils ne s'engagent sur rien, ils n'ont de compte à rendre sur rien, et s'ils ne tiennent pas leurs engagements, ou s'ils font A alors qu'ils avaient dit qu'ils feraient B, eh bien, ils n'ont aucune sanction légale. Il y a un auteur qui a écrit de très bonnes choses là-dessus, qui est très peu connu, enfin si, il est connu, mais pas en tant que ça, c'est André Tardieu, le président du Conseil sous la Troisième République, et c'est un homme modéré, de centre-droit, classique, conventionnel, rien de sulfureux dans sa pensée, mais à la fin de sa vie, il s'est fait dégager par le Front Populaire, il était un petit peu amer, et il a écrit... alors malheureusement, il n'a pas eu le temps d'aller au bout de son projet parce qu'il a eu des problèmes de santé, mais il a écrit deux livres, deux tomes qui s'appellent « La révolution à refaire », où il explique bien son désenchantement par rapport aux institutions de la République, toutes ces mystifications, etc. C'est très bien écrit en plus, c'est un français classique impeccable. Et vraiment, je vous invite à découvrir cet homme. Donc, aujourd'hui, dans nos institutions, nous n'avons pas la démocratie réelle. Avons-nous encore la démocratie formelle ? Eh bien, depuis que les institutions européennes sont rentrées pleinement en vigueur, c'est-à-dire depuis l'acte unique, en gros, hein, 86, les vrais gouvernants des peuples d'Europe, ce sont les commissaires européens. Or, les commissaires européens sont nommés par le Conseil européen et avalisés par le Parlement européen. Mais jamais le peuple n'intronise les commissaires européens par le suffrage universel. Les commissaires européens, donc, n'ont pas cette légitimité. D'ailleurs, les institutions européennes sont fondées sur la négation du suffrage universel et la négation de la séparation des pouvoirs. Donc, aujourd'hui, nous n'avons ni la démocratie réelle, ni la démocratie formelle. Alors maintenant, il faut être intellectuellement honnête, et il faut reconnaître que malgré tout, notre modernité a un véritable acquis politique, et cet acquis politique, c'est notre état de droit, qui nous fait bénéficier d'un très grand nombre de libertés publiques et individuelles. On les retrouve dans les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 89, on les retrouve dans le préambule de la Constitution de 1946, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, etc. Alors, arrivé à ce stade, on peut se dire que je suis en contradiction. Puisque d'un côté, je dis que l'individu est aliéné, mais de l'autre, je dis que l'individu bénéficie d'un très grand nombre de droits et libertés. Et bien, en réalité, il n'y a pas de contradiction, puisque l'aliénation de l'individu ne vient pas d'un système légal ou d'institutions publiques qui sont iniques, mais vient de l'action d'acteurs purement privés. Alors là, il faut se mettre d'accord sur un postulat. Mon postulat, c'est qu'il y a des classes dirigeantes, des classes dominantes, et que ces classes dominantes défendent leurs intérêts par des stratégies qui parfois sont perverses, mais qui tout le temps sont contraires à l'intérêt général. Alors, ce que je vous dis là est une évidence absolue pour toute personne qui a une culture historique digne de ce nom. Hein, on connaît... On peut prendre exemple, moi il y a un exemple que j'aime beaucoup qui est très significatif, c'est celui de l'aristocratie sénatoriale romaine. Où là vraiment, c'était des gens purement intéressés, et dès qu'il y avait quelqu'un qui menaçait un petit peu leur intérêt, ils passaient à la trappe en général. Par exemple, Gracchus. Gracchus qui voulait mettre en place un système agraire de petites propriétés pour les paysans romains, etc. Donc en somme, la propriété des sénateurs, une grande propriété sénatoriale était menacée, et bien Gracchus, il est mort, je ne sais pas dans les 24 heures, mais quasiment. Donc nous avions une classe dominante qui défendait ses intérêts par des stratégies qui sont parfois perverses, mais toujours, vous disais-je, contraire à l'intérêt général. Mais ce postulat, qui est une évidence absolue, pour toute personne un peu cultivée, est diabolisé par nos médias. Elle est diabolisée. Déjà, la simple idée qu'il existe une classe dominante qui n'a pas les mêmes intérêts que le peuple est diabolisée. Et par extension, on qualifie ce postulat de complotisme. C'est la théorie du complot. Or, c'est pas du tout ça. La théorie du complot, c'est quand on estime que la marche du monde résulte d'une ultra-planification des événements, et c'est...
généralement cette ultra-planification occulte. C'est pas du tout ça mon propos. Je dis juste qu'il existe des classes dominantes et que ces classes dominantes défendent bec et ongle leurs intérêts sans demander leur avis au peuple. Alors pour appuyer mon argumentation, j'ai recours à un petit argument d'autorité que j'aime beaucoup, qui est Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie, comme vous le savez, c'était le meilleur ami de Montaigne. Et à l'âge de 18 ans, il y a de quoi être jaloux quand même, il a écrit un chef-d'œuvre de la philosophie politique qui est le discours sur la servitude volontaire. Alors dans ce livre, la problématique de la Boétie est la suivante. Il se dit « Dieu a fait les hommes libres, les hommes sont libres, les hommes aiment la liberté, mais pourtant, partout, les hommes sont dans la servitude, quelle que soit la civilisation, les siècles, partout, l'homme est dans la servitude. » Alors comment expliquer cette contradiction? Comment expliquer que l'homme qui aime la liberté accepte cette servitude? Ou même, comment expliquer que cette servitude existe? Alors, la Boétie va trouver trois causes à cette servitude. La première cause, c'est l'habitude. L'habitude fait que l'homme s'accoutume à tout. Et comme les hommes naissent très souvent dans la servitude, eh bien, ils s'accoutument. Et ne connaissant pas le simple goût de la liberté, eh bien, ils ne songent pas à aller la rechercher. Donc, première cause de la servitude, l'habitude. Deuxième cause, je cite la Boétie dans le texte parce que tout est dit, cette ruse des tyrans que d'abêtir leur sujet. Voilà. Et donc, la Boétie explique que quand un tyran gagnait un territoire, il instaurait des bordels, des tavernes, des salles de jeu, etc. En fait, c'est secret story avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'évidemment, un peuple abruti, c'est un peuple qui est plus docile. Hein, donc, c'est un peuple qui est corrompu, etc. Et la dernière cause de la servitude, et c'est celle qui va nous intéresser, est la suivante. La Boétie nous dit, il y a un tyran. Autour de ce tyran, il y a 6 personnes. En dessous de ces 6 personnes, il y a 600 personnes. Et ces 600 personnes ont sous leur domination 6000 personnes. Ces 6000 personnes sont élevées en dignité. On leur donne le maniement des fonds publics et le gouvernement des provinces. Mais on ne leur donne pas par hasard, on leur donne pour qu'à point nommé, ils l'utilisent en faveur de ces fameux 600, de ces 6 et du tyran. La Boétie parle d'une chaîne ininterrompue. Et les membres de cette chaîne ininterrompue sont appelés les manche-peuples. C'est une très belle expression, je trouve, les manche-peuples. Donc la dernière cause de la servitude, c'est qu'il y a dans les sociétés un système véritable de manche-peuples qui instaure la servitude pour défendre les intérêts de cette fameuse chaîne ininterrompue, donc on peut dire de l'oligarchie des classes dirigeantes. Voilà. Donc, diaboliser l'idée qu'il existe des classes dominantes qui défendent leurs intérêts, ce n'est pas du complotisme. C'est accepter de voir la réalité telle qu'elle est partout sur la Terre depuis toujours. Et ceux donc qui diabolisent ce propos sont des gens, je veux dire, hein, qui ne veulent pas que l'on voit la réalité telle qu'elle est. Et j'ai envie de dire aussi l'histoire telle qu'elle est. Donc, les classes dirigeantes défendent leurs intérêts bec et ongle. Comment le font-elles au XXIe siècle? En Occident, je parle. Comment font-elles pour assurer leur domination au XXIe siècle? Eh bien, selon moi, c'est par cette stratégie que j'appelle le totalitarisme de marché. Mais avant de vous détailler ce qu'est le totalitarisme de marché, il faut se mettre d'accord sur une bonne définition du totalitarisme, parce que c'est un terme que très souvent on utilise, alors que dans notre tête, on a en réalité le mot dictature, c'est-à-dire un système qui prive purement et simplement les individus de leur liberté. Le totalitarisme, c'est pas tout à fait ça, selon moi. Je m'explique. Selon Hannah Arendt, qui a beaucoup écrit sur la question du totalitarisme, le totalitarisme, là il faut s'accrocher un petit peu, c'est une double dynamique de destruction de la réalité et des institutions sociales. Mais cette double dynamique de destruction ne peut se faire que si, préalablement, le peuple a été réduit à l'état de masse. Qu'est-ce qu'un peuple réduit à l'état de masse? C'est un peuple dans lequel les liens organiques sont rompus, les liens sociaux sont rompus, et les individus n'arrivent plus à s'inscrire dans des organisations qui défendent des intérêts collectifs, par exemple partis, syndicats, associations, etc., etc. Donc ça, c'est l'état de masse. Hannah Arendt nous dit donc, quand le peuple est réduit à l'état de masse, eh bien, il y a cette double dynamique de destruction de la réalité et des institutions sociales qui se déclenche. Moi, je pense qu'Hannah Arendt se trompe sur un point. Je pense qu'elle confond l'œuf et la poule. Elle confond les causes et les conséquences. Selon moi, ce n'est pas l'état de masse qui aboutit à la fameuse double dynamique de destruction, mais c'est justement la double dynamique de destruction de la réalité et des institutions sociales qui va réduire le peuple à l'état de masse. Donc pour moi, le totalitarisme, pour dire les choses plus simplement, c'est un système d'aliénation qui va réduire le peuple à l'état de masse. Voilà. Alors comment on réduit le peuple à l'état de masse? Selon moi, c'est en déstructurant l'individu.
c'est en lui retirant tout référent culturel, politique, idéologique, spirituel, civique, et j'en passe et des meilleurs. Comme ça, l'individu est véritablement réduit à n'être qu'une sorte de poisson rouge qui erre dans un espace social dans lequel il ne comprend rien, et qui est donc condamné à subir une réalité parce qu'il ne la comprend pas, tout simplement. Donc, ce totalitarisme de marché va lui aussi déstructurer l'individu. Et il va le déstructurer en s'attaquant à son esprit. Comment va-t-il le faire? Selon moi, il y a deux grands piliers. Cette déstructuration de l'individu se fait par deux grands piliers. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle un système de propagande à idéologie dominante. Et le deuxième, c'est ce que j'appelle la sous-culture mercantile anglo-saxonne, parce qu'il ne vient pas du Brésil. Hein. Bon. Alors, penchons-nous sur ces deux piliers. Tout d'abord, le système de propagande à idéologie dominante. La notion d'idéologie dominante, déjà, a été définie extrêmement bien par Marx. Pardon. Dans l'idéologie allemande, Marx nous dit « L'idéologie dominante, c'est l'idéologie de la classe dominante, tout simplement. La classe dominante possède les moyens de production. Dans ces moyens de production, il y a les moyens de production intellectuels. Et via ces moyens de production intellectuels, la classe dominante sécrète une idéologie dominante. » Bon. Alors, à quoi sert cette idéologie dominante? À deux choses essentiellement. Bah, d'une part, à défendre purement et simplement les intérêts de l'oligarchie du moment, et dans un deuxième temps, à faire intérioriser aux individus un ordre des choses qui légitime la domination et la position de cette classe dominante, qui, entre guillemets, naturalise la domination de la classe dominante. Donc, dans nos grands médias actuels, ne figurent régulièrement que des individus qui défendent cette idéologie dominante et donc les intérêts de la classe dominante. Alors, quelle est l'idéologie dominante d'aujourd'hui? Ce qui est compliqué dans notre cas, enfin compliqué pas dans ça, c'est qu'elle est bicéphale, elle a deux têtes, l'idéologie dominante du moment. La première de ces têtes, c'est ce qu'on appelle le libéralisme libertaire. Le libéralisme libertaire, c'est une idéologie qui a été conceptualisée par un philosophe marxiste qui s'appelle Michel Foucault, qui est illisible mais brillant, et elle est très simple, hein, cette idéologie, c'est une idéologie qui consiste à être de gauche sur le plan des mœurs, et de droite sur le plan économique. De gauche sur le plan des mœurs, ça veut dire contre les valeurs traditionnelles, pour une destruction des valeurs traditionnelles, et de droite sur le plan économique, ça veut dire néolibéral via la soumission aux traités européens, qui sont des manuels pratiques de néolibéralisme. Hein. Bon. Donc, le libéralisme libertaire, je répète, c'est être de gauche d'un point de vue des mœurs et de droite d'un point de vue économique. Et il y a une émission de télévision qui incarne à merveille ce libéralisme libertaire, c'est le grand journal de Michel Denisot, où on nous fait des leçons de politiquement correct, de multiculturalisme à longueur de temps, et dès qu'un individu, un homme politique, dévie un petit peu trop des normes du néolibéralisme bruxellois, il y a Jean-Michel Apathy qui est là et hop, il le rappelle à l'ordre. Petit exemple qui m'avait pas mal frappé, c'était quand il avait reçu Jacques Cheminade. Moi, je n'ai pas de sympathie particulière, pas d'antipathie non plus pour Jacques Cheminade. Mais il s'avère que Jacques Cheminade est quelqu'un qui fait une critique de Wall Street et de la City. Selon moi, il a raison. Bon. Et Cheminade a eu ses 500 parrainages pour les présidentielles. Hein. Et Apathy, avec un ton mais méprisant, mais comme ce n'est pas permis, lui dit « Mais vous servez à rien, je ne sais pas ce que vous foutez là. » Effectivement, pour un flic du système comme Jean-Michel Apathy, il ne sert à rien de critiquer la finance. Donc là, on a eu typiquement un cas de rappel à l'ordre parce que Cheminade diverge par rapport à l'idéologie dominante en matière économique. Voilà. Donc la première tête de cette idéologie dominante, c'est le libéralisme libertaire. Maintenant la deuxième tête. La deuxième tête, je l'appellerai le libéralisme identitaire. Cette fois-ci, sur le plan économique, il est permis de faire une plus grande critique de la mondialisation néolibérale, mais d'un point de vue des mœurs en contrepartie, parce qu'il y a un prix à payer pour ça, c'est qu'il faut stimuler le choc des civilisations. Alors, si on part du principe, comme je l'ai fait tout à l'heure, que chaque individu qui est présent régulièrement dans les grands médias défend les intérêts du système, eh bien donc, il faut considérer qu'un individu qui fait une critique de la mondialisation dans les grands médias, en contrepartie, sert l'idéologie dominante d'une autre manière. Et l'individu qui m'a fait évidemment comprendre cette présence du libéralisme identitaire, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour fait une critique de la mondialisation qui est globalement correcte. Et même, c'est très bien qu'il la fasse dans les grands médias, je ne me plains pas. Mais en contrepartie de ça, on connaît son discours et on sait que des fois, il aime taquiner un petit peu les musulmans par des saillies, par des petites provocations, etc.
Et dans le sillon d'Éric Zemmour, les années passant, il y a eu d'autres personnalités qui se sont inscrites dans ce sillon. Il y a eu Elisabeth Lévy, il y a eu Natacha Polony, qui l'a remplacé, chez Ruquier, qui fait du Zemmour un peu light, mais bon, au fond, c'est pareil. Et puis voilà. Donc, nous avons ces deux têtes de l'idéologie dominante. Le libéralisme libertaire et le libéralisme identitaire. Ces deux têtes se mènent une guerre qui est réelle. Il y a quelques mois de ça, il y a eu un article du Nouvel Obs qui a fait pas mal de bruit sur les soi-disant néo-fachos, où le journaliste Renaud Dely faisait donc une liste de personnes qu'il estimait être donc des néo-fascistes. Bon. Le Nouvel Obs, évidemment, c'est la bible du libéralisme libertaire. Et en réalité, ce que faisait Renaud Dely, c'est qu'il nommait tous les individus du système qui appartiennent à cette branche du libéralisme identitaire. Donc, il y a une rivalité qui est réelle entre les deux têtes de l'idéologie dominante. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une rivalité entre elles que réellement, ces deux têtes défendent des intérêts qui sont différents. Et il y a un petit parallèle historique qui peut nous aider à le comprendre, c'est la cour sous Louis XV. Sous Louis XV, il y avait deux partis à la cour. Il y avait le parti des philosophes et le parti des dévots, qui se sont menés une guerre à mort. Mais quel que soit le vainqueur de ce combat, c'était les intérêts de la cour qui inévitablement seraient défendus et les intérêts profonds du peuple français qui seraient marginalisés. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement pareil. Quel que soit le vainqueur entre le libéral identitaire et le libéralisme libertaire, ce seront les intérêts de l'oligarchie mondialiste qui seront défendus et les intérêts du peuple français qui seront marginalisés. C'est une fausse opposition en somme, c'est une opposition qui est complètement factice. Donc nous avons cette idéologie dominante qui est bicéphale, et qui fait intérioriser un ordre des choses aux individus, et qui s'attaque de cette façon à leur esprit. Le deuxième pilier du totalitarisme de marché, j'y arrive, c'est ce que j'appelle la sous-culture mercantile anglo-saxonne. Et c'est très simple, ce sont les valeurs qui sont sous-jacentes à ce que Pasolini appelle la culture hédoniste de masse. Et je cite encore Pasolini, parce que c'est tout. Cette culture hédoniste de masse opère à une véritable persuasion occulte vis-à-vis du public. Et effectivement, on se rend compte que les valeurs qui sont sous-jacentes aux films hollywoodiens, à la musique mainstream, à certains sites internet, à certains magazines, etc., relèvent toutes du même corpus, qui est celui de ce que j'appellerais l'inversion des valeurs par rapport aux valeurs traditionnelles. Donc cette sous-culture mercantile anglo-saxonne est un bélier d'inversion des valeurs. Elle est zélatrice d'inversion des valeurs, c'est-à-dire donc de valeurs qui sont contre les valeurs traditionnelles classiques. Et donc cette sous-culture mercantile anglo-saxonne, évidemment, par la pression qu'elle exerce sur les individus, les pousse à se remodeler à partir des canons qu'elle propose. Et en France, nous avons une émission fantastique là-dessus, qui est très intéressante d'un point de vue sociologique, c'est Secret Story, qui nous montre vraiment ce que la France sécrète chaque année de plus mauvais, de plus bête, de plus tordu, de plus dégénéré. Et les candidats de cette émission sont les personnes qui sont généralement des gens qui sont complètement déréglés. Et si on les met en avant, si les médias les mettent en avant, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut que la jeunesse refonde ses mœurs, ses attitudes, ses comportements à partir des modèles qu'elles ont à la télévision. Voilà. Ce n'est pas un hasard si chaque année, nous avons le même type de dégénérés, parce qu'il faut les appeler par leur nom, hein, mais ce sont des braves gens, hein, j'en pense pas, hein, mais ce sont des gens complètement tordus. J'aime bien le mot tordu parce que c'est une expression de Henri de Kerelis. Henri de Kerelis qui parlait de son époque de cervelle tordue. Et ben, je crois qu'on a renoué avec un air de cervelle tordue, et que la sous-culture mercantile anglo-saxonne, malheureusement, y est de beau. Donc le totalitarisme de marché a ses deux piliers. Un système de propagande à idéologie dominante, et ce que j'appelle la sous-culture mercantile anglo-saxonne. Ce que je prétends, c'est que la force conjuguée de ces deux piliers va produire dans la société une véritable destruction du sens. Destruction du sens des mots, destruction du sens de la rationalité, destruction des conventions sociales classiques, destruction des comportements, des mœurs traditionnelles, etc. Et par cette destruction du sens, on va renouer avec cette fameuse double dynamique de destruction de Hannah Arendt. Mais cette fois-ci, nous n'aurons pas une dynamique de destruction de la réalité, mais une dynamique de destruction de la perception de la réalité. Je vais m'expliquer, je vous rassure. Et nous n'aurons pas une dynamique de destruction des institutions sociales, mais une dynamique de subversion des institutions sociales. Donc tout d'abord, je parle de destruction de la perception de la réalité chez les individus d'aujourd'hui. Ce que je prétends, c'est que les individus d'aujourd'hui ne connaissent pas les causes, les conséquences qu'ils vivent. Ils ne connaissent pas les lames de fond réelles de ce qui font leur monde. Un exemple tout simple et limpide. Aujourd'hui, il existe une bombe à retardement au-dessus de la tête de l'humanité, qui s'appelle la spéculation sur les produits dérivés.
c'est équivalent à 600 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 15 fois le PIB mondial. Hein. C'est au-delà du colossal. Qui en France est au courant? Qui en France est au courant de la spéculation sur les produits dérivés? Très peu de monde. Alors que cette spéculation sur les produits dérivés, c'est ça qui a rendu les banques complètement tarées, qui leur a fait marginaliser leur activité bancaire classique, etc. Mais en France, personne ne le sait. Et vous remarquerez qu'aucun politique digne de ce nom, y compris à l'extrême gauche, hein, qui sont soi-disant contre la finance et compagnie, ne prononce le simple mot de produits dérivés. Autre exemple qui montre bien que les gens ne connaissent malheureusement pas la sauce à laquelle ils sont mangés, le mécanisme européen de stabilité. Le mécanisme européen de stabilité, qui en France est au courant de son existence? Qui en France est au courant de ses missions? Qui en France est au courant de la nature véritablement dictatoriale de ces institutions? Personne. Les membres du mécanisme européen de stabilité ont moins de comptes à rendre que n'importe quel roi de la monarchie absolue de l'histoire de France, que n'importe quel tsar de l'histoire de Russie, que tout ce que vous voulez. Ils sont surblindés juridiquement, ils n'ont rien à craindre, ils ont toutes les immunités qu'ils veulent, etc. Qui en France est au courant? Qui en France est au courant que tous nos flics du politiquement correct, du PS et de l'UMP, qui nous donnent des leçons de démocratie en permanence, ont validé cette institution qui, de fait, et de droit, est dictatoriale? Personne. Les gens n'ont pas la perception généralement de la réalité qu'ils vivent. Ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent, ils n'y comprennent rien. Je pourrais faire beaucoup plus simple en parlant des institutions européennes. Nos institutions européennes sont objectivement antidémocratiques. Tous nos partis qui se prétendent républicains, démocrates et compagnie les valident depuis des décennies. Qui est au courant de cette contradiction dans le peuple français? Très peu de monde. Donc je dis que le peuple français aujourd'hui est victime d'une destruction de la perception de sa réalité. Et je précise que ceci n'est pas une fatalité historique. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, historiquement parlant, c'est celui de la Grande Peur en juillet 89, 1789. À quoi a-t-on insisté? On voit des paysans qui, de prime abord, ne font que brûler des châteaux et s'attaquer aux nobles. En réalité, ce que voulaient faire les paysans pendant la Grande Peur, c'était mettre la main sur un document juridique qui s'appelait le terrier. Parce que dans le terrier étaient consignées toutes leurs obligations et leurs servitudes vis-à-vis du Seigneur. Donc ce que voulaient faire les paysans, c'était simplement détruire la preuve de leur servitude vis-à-vis du Seigneur. Donc tout un culte qu'ils étaient, ils ne parlaient pas français, etc., mais ils avaient une conscience sociale extrêmement aiguë. Comparé à notre citoyen d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Donc il y a une destruction de la perception de la réalité. Ensuite, j'arrive à l'autre branche de la dynamique de destruction, qui est la dynamique de subversion de nos institutions sociales. Ce que je veux dire par là, c'est que nos institutions sociales classiques sont maintenues, mais elles sont vidées de leur sens originel. Exemple, le Parlement. Le Parlement, officiellement, est l'antichambre de la démocratie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le Parlement français est le lieu de l'annulation de la démocratie. On se rappelle du sort qu'il a été fait au vote du peuple français le 29 mai 2005. Ils l'ont fait pour rien. Concrètement, le suffrage universel a été purement et simplement annulé. On pourrait aussi parler de l'armée. L'armée est faite pour défendre la sécurité et les intérêts d'un pays. Or, l'armée française, malheureusement, se met au service de puissances étrangères depuis un très grand nombre d'années. Moi, je ne sais toujours pas ce qu'on allait faire en Libye, par exemple. C'est pas grave. En Syrie, on voit bien où François Hollande va en venir quand il reconnaît l'armée des Syriens de je ne sais plus quoi, là, l'armée libre syrienne. Bon, il y a un mimétisme qui est frappant avec ce qui s'est passé en Libye. Et on sent qu'il prépare notre armée à aller faire une guerre qui n'a rien à voir avec les intérêts de la France. Je pourrais dire pareil d'ailleurs pour l'Afghanistan. Qui sait ce qu'on fait en Afghanistan? Pourquoi les Français meurent en Afghanistan? Il y a un truc qui m'a choqué, voyez-vous, le 11 novembre. Normalement, on fête le soldat inconnu. Et cette année, on a fêté les morts pour les guerres en Afghanistan. Mais le soldat inconnu est mort pour la France. Il est mort pour la France, le soldat inconnu. Les soldats français qui sont des victimes, évidemment, et je compatis avec leur famille, hein, pas de souci, mais qui sont morts en Afghanistan, ils ne sont pas morts pour la France. Qui croit sincèrement qu'ils sont morts pour la France? Mais personne, c'est des conneries tout ça. Enfin bref. Donc l'armée ne défend pas les intérêts de la France. L'école. L'école est censée être un lieu de transmission des valeurs. Qui croit encore que l'école aujourd'hui transmet les valeurs? L'école aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est une garderie. Petit exemple, j'ai rencontré il y a quelques mois de ça un prof de maths, je crois qu'il était à Villetaneuse. Et il me raconte, il arrive en cours. Et les élèves disent, monsieur, on ne travaille pas aujourd'hui. Ah bon? Mais si, on va quand même bosser. Non, non, on ne travaille pas aujourd'hui. Ah, ok, bon, on ne travaille pas. Alors, naïf que je suis, je dis, et les parents, ils disent quoi? Et bon, le mec, il éclate de rire parce que les parents sont complètement dépassés, pouvoir, ils en ont rien à foutre. Hein.
On pourrait parler des syndicats. Quand je parle des syndicats, je précise, je parle des états-majors syndicaux et pas de la base. La base est dévouée, elle fait ce qu'elle peut pour limiter la casse au niveau social. Moi, j'ai bossé avec eux dans le professionnel, c'est souvent très brave. Mais force est de constater que les états-majors syndicaux sont globalement ce qu'on appelait autrefois des jaunes. C'est-à-dire que concrètement, ils ne sont pas du tout dans une logique de lutte de classe. Alors que la lutte de classe n'a jamais été aussi violente qu'aujourd'hui, et aussi évidente qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Donc, toutes nos institutions sont maintenues, elles existent encore, mais elles sont vidées de leur sens originel, voire même leur sens originel est retourné. J'aurais pu parler aussi de l'Église. Les églises, je parle aussi des orthodoxes, des chrétiens, etc., des protestants. Le but de l'Église, c'est de sauver nos âmes. La mission de l'Église, c'est de sauver nos âmes et de nous faire gagner le royaume des cieux. C'est peut-être ringard comme position, c'est la mienne. Or, aujourd'hui, force est de constater que l'Église se donne pour mission de donner des leçons de politiquement correct ambiant. Quelle est la différence entre SOS Arcisme et Benoît XVI? Très peu. Sur les Roms, très peu. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Donc, il y a un livre d'ailleurs qui fait bien comprendre cette dérive de l'Église, c'est « Sous le soleil de Satan » de Bernanos. Dans « Sous le soleil de Satan », le thème principal, c'est une lutte d'un abbé contre Satan. Bon. Parallèlement à ça, il y a l'histoire d'une petite fille de 15 ans qui s'appelle Mouchette. Et cette Mouchette va, par accident, tuer un de ses amants. Elle avait beaucoup d'amants, d'ailleurs, mais par accident, elle va tuer un de ses amants. Bon. Alors, vers le milieu du roman, prise de remords, Mouchette va se trancher la gorge. Ayant tué quelqu'un, selon les codes chrétiens, elle est censée aller en enfer. Donc Mouchette se tranche la gorge. Elle agonise sur son lit de mort. Autour d'elle, le médecin du village, qui est lui aussi d'ailleurs son ancien amant, sa famille, d'autres ecclésiastiques, etc. Et Mouchette, qui est sur le point de mourir, veut aller à l'hôtel pour l'expiation. Elle veut expier. Et tout le monde, le réflexe de tout le monde, c'est mais qu'est-ce que tu racontes, mais c'est pas la place, l'église, c'est pas pour les assassins comme toi, enfin, arrête de dire des conneries, etc. Arrive à ce moment le héros de l'histoire, qui est l'abbé Donissant, qui lui est un authentique chrétien, et qui veut à tout prix sauver l'âme de cette petite fille, et qui donc s'empare de son corps ensanglanté, agonisant, et puis en plus elle raconte n'importe quoi, et à la force de ses bras, il l'emmène devant l'hôtel, et Mouchette expie ses crimes, et on peut supposer qu'elle a sauvé son âme. Voilà. Et quelle est la réaction de la hiérarchie de l'Église? Elle envoie Donissant à l'asile. Tout est dit. Et pour moi, Bernanos a anticipé Vatican. Il a anticipé cette abdication de la vérité révélée. Il a anticipé l'abdication de la vocation céleste de l'Église. Voilà. Donc, nous conservons des institutions sociales, mais elles sont vidées de leur substance. Et par cette double dynamique de destruction de la perception de la réalité et par cette subversion des institutions sociales, eh bien, se propage dans la société, nous y arrivons, ce fameux déracinement que Simone Veil a identifié. Qu'est-ce que l'enracinement d'abord, selon Simone Veil? Selon Simone Veil, un individu est enraciné quand il participe à l'existence de sa collectivité. Mais il ne participe à l'existence de sa collectivité que quand il se situe dans le sillon du passé de cette collectivité, que quand il se nourrit du passé de cette collectivité. En fait, le message de Simone Veil, c'est qu'il est inepte d'opposer le présent et le passé, puisque le passé est la condition du présent. La condition du présent, je cite Simone Veil, c'est l'assimilation des trésors du passé. Et quand on a assimilé ces trésors, on peut trouver sa place dans la société, et donc on est enfin enraciné, et on participe donc à l'existence de cette collectivité. Mais ça, c'est pour le cas des personnes enracinées. Les personnes qui, elles, sont déracinées, et qui ne participent donc pas à l'existence de cette collectivité, souffrent de ce que Simone Veil appelle une inertie de l'âme. Et là-dessus, je poursuis. Cette inertie de l'âme se traduit par une inertie politique. L'individu donc contemporain, l'individu déraciné, est amené à un stade de véritable inertie politique. Il passe de la condition de sujet à objet. Il est réduit à l'état de chose inerte et passive. Il devient ce que j'appelle en bouquin de la chair sans âme, tout simplement. L'individu déraciné, l'être déraciné, en droit est toujours un homme libre, il bénéficie toujours de ses libertés fondamentales, mais en fait, il est un esclave parce qu'il a perdu sa faculté d'usage de sa liberté. De fait, il est sans liberté, alors que théoriquement, il en bénéficie. L'individu contemporain déraciné a sa vie qui est, qui a pour moteur ses pulsions, divers conformismes sociaux, alors que cet individu devrait avoir pour moteur un exercice souverain, conscient et réfléchi de ses libertés. L'être déraciné n'est pas esclave parce que la liberté lui est interdite,
l'être déraciné et esclave parce que la liberté lui est impossible, parce qu'il n'a pas trouvé dans la société la place qui lui permettrait de réaliser sa liberté. Et notre société, au jour d'aujourd'hui, ce déracinement frappe absolument toutes les classes sociales. Et l'être déraciné a plusieurs visages. J'en ai 3-4 en tête. Celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui de tous ces travailleurs qui bossent entre 8h et 10h par jour, qui se mangent 1 heure ou 2 heures de transport en commun, mais qui n'ont rien d'autre à faire de leur temps libre que de regarder la télé en moyenne 4 heures par jour. Ça, c'est l'esclavage absolu. Bon. Je pense aussi, comme être déraciné, à nos amis les Wesh-Wesh, pardon pour les personnes âgées qui ne connaissent pas forcément cette expression, je pense à nos amis les Wesh-Wesh, qui sont typiquement les individus qui n'ont pas trouvé leur place dans la société, qui en souffrent et qui souffrent de cette inertie de l'âme. Je pense aussi à ces milliers d'adolescents qu'on a vus aller se vautrer de façon grotesque à Trocadéro pour aller voir un chanteur bidon sud-coréen récemment. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir de ces jeunes adolescents. Et je pense aussi à ces amas de femmes, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, ces amas de femmes qui, les jours de sol, se compressent sur les portes des supermarchés. Et dès que la porte s'ouvre un petit peu, on les voit se ruer comme des bêtes en rut sur l'objet qu'elles veulent acquérir. Voilà divers visages de l'être déraciné d'aujourd'hui. Alors, je résume mon propos. Les classes dominantes veulent défendre leurs intérêts. Elles le défendent par le totalitarisme de marché. Le totalitarisme de marché a deux piliers. Un système de propagande à idéologie dominante et la sous-culture mercantile anglo-saxonne. La force conjuguée de ces deux piliers génère une destruction du sens dans la société. Cette destruction du sens va elle-même générer une double dynamique de destruction de la perception de la réalité et une subversion de nos institutions sociales. Et de cette façon, un déracinement va être propagé dans la société et les individus vont souffrir d'une inertie de l'âme qui est la cause de leur esclavage moderne. Je termine ma première partie en vous citant une petite phrase de Condorcet qui dit tout. Sous une constitution libre, un peuple ignorant est esclave. On peut broder un petit peu autour de ça en disant qu'un peuple ignorant, c'est un peuple ignorant de lui-même. Un peuple ignorant de lui-même, c'est un peuple qui ignore son passé. Un peuple qui ignore son passé, c'est un peuple déraciné. Un peuple déraciné, c'est un peuple aliéné, c'est un peuple esclave. Voilà. Donc j'en ai terminé avec ma première partie, où je vous ai donc expliqué que l'individu était aliéné par l'individu contemporain, était aliéné par son déracinement. Alors maintenant, il ne va pas de soi que un individu qui est déraciné, qui est aliéné, le reste toujours. Et j'en sais quelque chose, puisqu'à titre personnel, j'ai été cet individu déraciné. Alors, au fil des années, au fil de mes lectures, au fil de mes questionnements, j'ai réussi à m'affranchir du conditionnement de ce totalitarisme de marché. Maintenant, quand on fait une photo de la France actuelle, on se rend compte que la majorité des gens, globalement, toute origine confondue, toute classe sociale confondue, est sous l'emprise, sous la tutelle intellectuelle de ce totalitarisme de marché, qui s'incarne notamment par le politiquement correct, évidemment. Ceci dit, il y a un petit truc que j'ai remarqué quand même, c'est que quand on prend les gens les yeux dans les yeux en privé, on se rend compte que fondamentalement, ils n'y croient pas tant que ça, l'idéologie dominante. Quand on leur parle de la mondialisation, de l'Union européenne, du multiculturalisme, on voit bien que finalement, ils n'y croient pas tant que ça. Alors, je me suis longtemps posé une question. Pourquoi y a-t-il ce grand écart entre ce que les gens disent en privé et ce qu'ils disent en public? Pourquoi y a-t-il ce grand écart entre ce que les gens disent en privé et ce à quoi ils se rallient en public? Alors, à l'époque de mon bouquin, je n'avais pas trouvé la réponse à cette question. Je l'ai trouvée depuis. Mais dans mon livre, je l'effleure à deux reprises notamment. Tout d'abord, quand je parle des applaudissements dans les émissions de télé, où j'explique bien que les applaudissements dans les émissions de télé sont des messages véritablement subliminaux qui sont envoyés au téléspectateur pour lui dire ce qui relève du bien et du mal, pour lui dire « vous avez le droit de penser ça sans être victime de ce racisme » et pour lui dire, le cas échéant, « si vous avez ce sentiment ou cette idée-là, refoulez-la ». Et autre endroit où j'avais caressé cette question, c'était quand je parle de la censure, où je pose cette question simple, où je dis, pardon, cette phrase simple, « rendu inutile depuis la généralisation de l'autocensure ». Donc voilà la question à 10 000 $. D'où vient cette généralisation de l'autocensure dans la société française? D'où vient l'autocensure? Alors là, je crains de blasphémer auprès de nombre d'entre vous, mais j'ai trouvé la réponse dans la psychanalyse,
J'ai trouvé dans la psychanalyse, par hasard d'ailleurs. Et blasphème parmi les blasphèmes, je l'ai trouvé chez Freud, dans son bouquin qui s'appelle L'homme Moïse et la religion monothéiste. Et puis après, on peut creuser la question dans le ça et le moi. Alors, quand on parle de Freud, il faut prendre beaucoup de pincettes. Je tiens à préciser que je ne suis pas de ceux que la psychanalyse guérit, je ne dis pas qu'elle n'est pas forcément sujette parfois à des dérives, etc. Mais quand on parle de Freud, on parle d'un individu qui s'est toujours fait critiquer, et parfois a raison, hein. Je ne valide absolument pas tout ce qu'a fait Freud et tout ce qu'a dit Freud. On connaît la critique de Freud traditionnaliste, hein. Il y a aussi une critique marxiste de Freud, et puis on se rappelle, il y a 2 ans de ça, Michel Onfray, qui avait fait un bouquin contre Freud, qui est très bon d'ailleurs, c'est un très bon livre, très bien écrit pour un bouquin écrit en 2010, si j'ai envie de dire. Il montre bien les vices un peu ridicules de Freud, parfois les limites de sa pensée, ses contradictions, etc. Mais je me suis posé la question, pourquoi Michel Onfray conchit à ce point Freud? Et j'ai trouvé la réponse, c'est parce que Michel Onfray se revendique de la philosophie des Lumières. Or, qu'est-ce que la philosophie des Lumières? Ce sont des philosophes qui pensent déjà que l'éveil de l'esprit humain commence avec eux, et ils disent ceci. Dans notre société, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais parce que les institutions sont mauvaises. Et nos lois sont mauvaises parce que le fondement de notre société est mauvais. Et le fondement de notre société étant la spéculation métaphysique, ce fondement est incertain, il faut le supprimer et il faut le remplacer par d'autres fondements. Descartes nous dira la raison, Bacon nous dit l'empirisme, c'est-à-dire l'expérience, hein. L'expérience, l'observation, etc. Donc, les philosophes des Lumières nous disent « éradiquons le passé, parce que le passé n'a pas été éclairé par la raison, et remplaçons donc les anciennes lois par de nouvelles qui, elles, seront éclairées par la raison, et l'homme pourra enfin être bon. L'homme est bon par nature, et surtout, l'homme est perfectible. » Or, Freud, à l'instar d'ailleurs de la religion chrétienne, dit non, la nature humaine est intangible. L'homme des cavernes, Adam et Ève, c'est la même personne que les bourgeois contemporains du XXIe siècle. Et ça, c'est un discours qu'un individu qui est pétri de l'idéologie des Lumières, le progressisme en réalité, puisque les Lumières et le progressisme, c'est pareil, c'est un discours qui ne peut pas être entendu, puisque c'est l'invalidation totale de tout ce qu'il pense. Puisque Michel Onfray, par exemple, qui cherche à faire le surhomme et compagnie, pense que la nature humaine est perfectible. Depuis 5000 ans qu'elle est ce qu'elle est, on le saurait si elle était perfectible. Elle ne l'est pas. Et donc ça, Freud a commis un péché de lèse-lumière, entre guillemets, que Michel Onfray ne peut pas accepter. Et donc, il balaye tout. À titre personnel, il y a des choses que je valide chez Freud. Son concept de pulsion de vie, de pulsion de mort, ce qu'il appelle Eros et Thanatos, est selon moi extrêmement pertinent. Et ça apprend vraiment à voir l'individu sous un autre angle. Les travaux qu'il a fait sur les foules aussi est très très juste. Mais surtout, ce que je valide chez Freud, ce sont ce qu'on appelle ces 2 topics. Alors je précise que la psychanalyse, c'est comme le droit et l'économie, c'est du jargon. Alors on peut être impressionné de prime abord, on peut trouver ça compliqué, parce qu'on ne comprend pas ce jargon, mais en réalité derrière, il y a des concepts qui sont vraiment accessibles à tout le monde. C'est pas compliqué. Donc Freud a dégagé ce qu'on appelle des topics. Les 2 topics, ce sont des schémas de représentation de l'esprit de l'individu. Voilà. Et Freud nous dit, le psychisme de l'individu, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Alors il y a 2 topics qui s'interpénètrent. Le premier topic comprend le conscient, le préconscient et l'inconscient. Ça, j'en parle pas. Le deuxième topic comprend le ça, le moi et le surmoi. Le moi, c'est, on va dire, l'instance de la raison, de la perception de la réalité, du bon sens. Le ça, c'est le centre de nos pulsions inconscientes. Et le surmoi, j'y arrive, le surmoi, c'est notre instance, justement, d'autocensure. Nous y arrivons. Et ce surmoi se développe chez l'individu quand s'oblitère l'autorité parentale, quand il grandit, l'autorité parentale est remplacée par ce surmoi. Le surmoi, donc, est un système d'autocensure dans le crâne de l'individu, et certains psychanalystes disent même que c'est, j'aime bien cette expression, que c'est un gendarme intérieur que l'individu a dans le crâne. Alors, comment fonctionne ce surmoi chez un individu? Eh bien, c'est très simple, il fonctionne de la même manière que l'autorité parentale chez un enfant. Imaginez un petit enfant. Ce petit enfant va faire une bêtise. Il prend 2 choses en considération. D'une part, la réalité extérieure. Est-ce que la réalité extérieure nous permet d'être tranquille et de la faire sans avoir de problème? Ensuite, au moment où il va agir, parfois, il va être nu et il va se dire « Mais si je fais ça, papa et maman vont me réprimander. » Donc, je refoule mon idée initiale et je ne fais pas ma bêtise. Son autorité parentale lui a émis une objection qui a tenu son moi en respect et qui lui a fait refouler sa pulsion. Le surmoi fonctionne exactement pareil. Le surmoi
émet des objections au moi, et le moi donc accepte sa soumission au surmoi. Freud utilise une image pour parler de ça, il parle d'une garnison dans une ville. Il explique que le surmoi, c'est la garnison qui tient la ville en respect. Voilà. Alors on va prendre un petit exemple pratique pour illustrer ce surmoi. Imaginons quatre personnes au travail qui déjeunent. Trois de ces personnes sont bec et ongles pour l'immigration. Et une de ces personnes, elle, est contre, parce qu'elle estime, à l'instar de votre serviteur, que la France, compte tenu de sa situation économique, ne peut pas continuer de recevoir chaque année l'équivalent de la ville de Toulouse en personne pauvre. Alors, la question, ces quatre personnes discutent. Et les trois personnes qui sont pour l'immigration parlent de l'immigration et disent « Non, on est pour, il faut continuer à avancer. » La question est de savoir si la personne qui est contre l'immigration va oser leur porter la contradiction publiquement, enfin publiquement, dans leur cercle. Et très souvent, la réponse sera non. Pourquoi ? Comme pour le petit enfant, d'une part, il a estimé que la réalité extérieure lui était défavorable, puisqu'il est 3 contre 1. Et ensuite, parce que son surmoi va lui dire « Ne critique pas l'immigration publique ». Et donc très souvent, il va s'auto-censurer et il va refouler sa pulsion qui, de prime abord, aurait été de porter la contradiction à ses 3 collègues. Alors pourquoi son surmoi l'auto-censure dans cette direction-là ? Comment naît un surmoi chez un individu précisément ? Comment il se dessine ? Et c'est très simple, le surmoi se dessine chez un individu en fonction des normes qu'il intériorise. Et donc le surmoi voudra faire respecter les normes qu'il a intériorisées. Nos médias dominants nous disent, enfin la fibre libérale libertaire de nos médias dominants nous dit « soyez pour l'immigration », et bien le surmoi des individus, très souvent, est donc pour l'immigration, et on sait que publiquement, on peut être victime d'ostracisme si on se prononce contre l'immigration. Donc le surmoi, je le répète, c'est un gendarme intérieur, c'est un flic, littéralement, qu'on a dans la tête. Donc, là où je veux en venir en vous disant ça, c'est que nos grands médias, quand ils diffusent des informations, ils diffusent en même temps des normes. Et les individus qui écoutent la télé, la radio, qui lisent la presse écrite, etc., malgré eux, s'imprègnent de ces normes, ils les intériorisent. Et en eux se constitue ainsi un surmoi. Et ce surmoi aura la couleur politique des normes qui sont diffusées par les grands médias. Et donc, les individus vont avoir dans leur tête un surmoi mondialiste, un surmoi qui défend l'idéologie dominante. Et quand un individu aura une pulsion de dissidence, aura une pulsion de dérogation par rapport à l'idéologie politiquement correcte, son surmoi va lui dire non, marche droit, ne dévie pas. Quand un individu va commencer de s'affranchir de son conditionnement, de sa condition d'aliéné, eh bien son surmoi, lui, le rappellera à l'ordre et lui dira « Non, tu restes là, tu ne bouges pas. » Tout à l'heure, je vous ai dit que je m'étais affranchi de ma condition d'être déraciné. Comment j'ai fait ? C'est très simple, c'est parce que je me suis mis à lire beaucoup. Alors d'une part, j'étais moins soumis aux grands médias, j'intériorisais moins les normes que les grands médias m'envoyaient, et d'autre part, j'intériorisais des normes qui venaient d'une autre source, de mes lectures, et donc j'avais, comme tout le monde, beaucoup de jeunes de ma génération, un surmoi mondialiste, et bien ce surmoi mondialiste, petit à petit, s'est érodé, et je l'ai troqué pour un surmoi plus patriote, plus chrétien, plus enraciné, tout simplement. La morale de l'histoire, c'est que il est de toute urgence de diffuser autant que se peut autour de soi des informations qui sont contraires à cette idéologie dominante pour que petit à petit s'érode ce surmoi mondialiste qui met littéralement en tutelle l'esprit des gens, qui est, je le rappelle, un flic qu'ils ont dans la tête et qui leur empêche de considérer la réalité, déjà de voir la réalité, de la prendre en considération et d'agir contre cette réalité. Donc ce surmoi, je le dis, c'est une véritable chaîne de notre esclavage qui nous empêche, qui empêche la plupart des gens de s'affranchir du conditionnement ambiant. J'en ai maintenant terminé. Je terminerai mon propos par une phrase de saint Paul que j'aime beaucoup. C'est une phrase que j'ai mis en épigraphe dans mon livre. Et elle est tirée des épîtres aux Corinthiens, si je ne dis pas de bêtises. Saint Paul leur disait donc, cette phrase, je précise, peut être entendue d'un sens temporel et spirituel. C'est la magie du bonhomme. Saint Paul disait donc, « Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie aux yeux de Dieu. » Je vous remercie de votre attention.